en parlait en début de soirée. 16e de finale, Kevin Morin face à Jason Sago. Restez là, Alex Garcia s'appelle Mike Ritchie, Michel Gagnon et Paul Bailey en finale. Touche les gants. Morin. Go, Jason! On se souvient le combat avec Lafond. Lafond va réussir à faire mal à Sago au début du combat. Alors, que c'est un peu la stratégie contre Sago. Il n'aime pas se faire frapper. Il aime ça aller au sol. Il y a un Muay Thai qui est technique, par contre, qui n'est pas tellement puissant. Morin, il est allé des premières bonnes attaques. Les deux sont au centre de la tête. Morin devrait utiliser son jab un peu plus. Il lance un petit peu tôt en crochet. Le coup de pied de Sado au corps de Morin. Morin, il va être combien de la gauche. Puis à l'intérieur de Sado. Et Sago tout de suite s'en va en train de mener à Morin au sol et Morin. Excellente défense de Morin. Excellent. Et Kevin Morin a réussi à empêcher Sago de l'amener au sol. Beaucoup de vue de Morin à l'intérieur. On est contre la cage, Morin. Ça fait deux fois que Morin bloque les tentatives de mise au sol de Sago. Je suis impressionné par Morin. Belle droite de Sago, mais tout de suite, Morin s'en est sorti avec une combinaison. Gauche droite. Ouais, la droite sur l'oreille de Sago, il a fait mal. On voit qu'il a 5 mains d'oreille. Là, c'est Morin qui tente de venir Sago au sol. Il y a la guillotine qui est en position. Sago a bien paré. Oh, et Sago a trébuché. Je ne sais pas ce qui est arrivé pour Sago en position, il s'est retiré de sa position, a perdu pied. Morin va tenter de prendre avantage de cette position de Sago. On se souvient que c'est la position qu'il avait contre la marche, qui a dominé la marche tout le long du combat de cette position-là, avec des bombes. Come on, Jason, 2 minutes, let's go. C'est où est-ce que Sago a le plus de succès, c'est dans ses positions. Il va l'amener contre la cage, puis il est un petit peu comme un anaconda. Puis il va faire un petit peu de ground and pound, et il va s'en mettre avec une soumission sur le capable. 2 minutes à Kevin Morin à survivre dans cette position. Et Sago est allé dans la maison de droite, maintenant c'est des droites. Au visage de Morin. Oh, ben droite encore une fois, le Sago au visage de Morin. Morin qui pousse contre la cave pour tenter de sortir de cette position fâcheuse. Morin qui doit utiliser ses pieds, grimper de la cage. Ce qu'il fait en ce moment. Et se propulser afin de retourner la situation. Et là, on voit que Sago travaille quelque chose là. Sur la jambe. Position montée complète, nord-sud, attaqué à droite. Juste un petit peu plus qu'une minute au combat. Morin doit sauver cette minute-là. Come on. Stretch him out. Nice. Sago va avec des droites au côté de la tête de Morin. Morin va se protéger avec sa main droite. Sago marque des points, vient passer sa main droite. Morin ne semble pas avoir de réponse, il semble se contenter de passer le temps, de laisser le round finir, parce qu'il y a beaucoup de succès debout, là, Morin. Les deux crochets de Sago sont passés. Regarde, 3 secondes pour Kevin Morin. Sago qui ramollit Morin, je pense pas qu'il a l'intention de finir le combat à ce point-ci. C'est intéressant de voir comment les choses vont se passer. Triangle de corps maintenant sur le corps de Morin.
Just so good, bro.